Après avoir percuté le tableau noir d'une salle de classe, il ne reste de Lucie qu'un simple contour. Ses nouveaux amis, les Dim 1, lui présentent leur cousin, les Dim 2, dans le cahier. Tous les Dim 1 fermés ont un cousin Dim 2. La mesure des Dim 1 est la longueur, et pour les Dim 2, on mesure notre superficie. On est donc très différents, même si on se ressemble. Salut Lucie! Je suis Losus Carré, le losange. Bonjour Losus Carré, je suis très heureuse de te rencontrer. Bonjour Losus Carré, je suis... Square, le cousin de Square Carré, je t'ai reconnu. Moi, mon cousin, c'est Losus, le losange. Nous avons la même forme, mais lui, il est vide. Ah, ben moi j'ai la même longueur que Losus. Alors on mesure pareil. Mais non, Bêta, j'ai la même forme que Losus, mais pas la même mesure. Lui, Dim 1, on mesure son périmètre. Moi, Dim 2, on mesure ma superficie. Mais si toi, Square, et Losus, les Dim 1, avaient le même périmètre, alors toi, Losus Carré, et Square Carré, les Dim 2, avaient la même superficie. Perdu. Le périmètre et la superficie n'ont pas de rapport direct l'un avec l'autre. Et pourquoi? Parce que ce sont ma base et ma hauteur qui déterminent ma superficie, et pas mon côté oblique. En fait, au niveau superficie, je suis plus proche de Rectangulus Carré, le rectangle, que de Square Carré, le carré. On dit que je suis équivalent à Rectangulus Carré. Tu vois, nous avons la même superficie. Nous sommes donc équivalents. Mais vous pouvez vous découper et vous réarranger pour changer d'apparence? Oui, comme ça, on peut se comparer les uns aux autres plus facilement et savoir qui est le plus grand. Pour mesurer des figures inconnues, nous pouvons nous séparer ou nous assembler pour épouser leur forme. C'est la base de notre jeu préféré, le tangramme. Le tangramme. On va en faire une partie, les amis? Oui.